Nora Hamzoï a voulu arrêter la télé à cause du Grand Journal. Entre ses interventions sur France Inter, son spectacle éponyme qui dure depuis l'année 2013 et son job de chroniqueuse à la télévision, le programme de Nora Hamzoï est très chargé. Elle aurait pourtant pu abandonner cette dernière activité après avoir tenté l'expérience, pendant 2 ans de bons et loyaux services, au Grand Journal d'Antoine de Caunes sur Canal+. Elle fait désormais partie de l'équipe du quotidien de Yann Barthès et fait rire la France, chaque semaine, dans sa rubrique Nora à la réponse. Mais la jeune humoriste de 32 ans a confié dans les colonnes de Paris Match qu'elle avait songé à arrêter la télévision avant de se décider à rejoindre le talk show. Après avoir fait le Grand Journal, je ne voulais plus travailler pour la télévision, explique-t-elle. Je trouvais qu'il y avait trop de pression et que c'était très difficile à faire correctement. Mais dans Quotidien, c'est devenu un plaisir, c'est fluide, il y a beaucoup d'improvisation. La chroniqueuse à lunettes et chignon a décidé de persister malgré ses doutes. Un problème qui semble récurrent chez l'ancienne hôte de scène de ménage qui Je m'étais dit que j'arrêterais quand on me dirait que c'est nul, se souvenait-elle dans le journal du dimanche. Et pourtant, quand Jean-Ben Guigui me l'a assuré dans l'émission On ne demande qu'à en rire, animée par Ruquier, c'est le contraire qui s'est produit. Qu'elle m'a renforcé dans ma détermination /